Koh-Lanta, le feu sacré. Gilles en larmes est vainqueur d'une récompense inédite dans l'émission. Ce mardi 2 mai, l'épreuve de confort a particulièrement affecté les candidats de Koh-Lanta, le feu sacré, qui se sont tous effondrés en apprenant qu'ils pourraient avoir la possibilité de parler à leurs proches. À l'issue de l'épreuve, c'est Gilles qui est finalement sorti grand vainqueur, et qui est reparti avec une récompense incroyable. C'est l'épreuve que les candidats de Koh-Lanta redoutent le plus chaque année. Ses enfants Paco et Thelme, alors que Tania s'est effondrée, elle qui souhaiterait pouvoir parler à ses frères et sœurs, dont elle est très proche. J'ai une famille incroyable et j'ai vraiment besoin de leurs nouvelles, pas de signe de vie, c'est très dur, a-t-elle expliqué. Gilles Grand Gagnant donne voyage pour deux, aux Philippines. Les larmes ont également coulé pour Laura, qui souhaiterait appeler ses parents, ou encore pour Frédéric, qui ne rêve que d'une chose. Parler à Marine, la femme de sa vie, qu'elle va bientôt épouser. Au terme d'une épreuve très forte en émotion, où la colère s'est mêlée à la tristesse, c'est finalement Gilles qui a remporté le confort. En plus d'une nuit à la belle étoile dans un hamac, un repas copieux et le coup de téléphone à ses proches, l'agriculteur émotif a pu gagner un voyage pour deux aux Philippines, pour revenir sur les terres de son aventure avec la personne de son entourage de son choix. Une récompense inédite dans Koh-Lanta, qui a fait saliver les autres aventuriers.